Et sur le dessert, alors prenons une traditionnelle bûche au chocolat. Alors là, vous pouvez l'accorder avec un grand classique qui est le Earl Grey, un thé noir à la bergamote, ou bien l'accorder avec un oolong qui vient de Taïwan, qui s'appelle Beauté Orientale, qui ira très bien avec, avec le chocolat noir, avec le crémeux de la bûche au chocolat noir. Et si on prend une bûche sur des notes plutôt fruitées, fruits exotiques, vous pouvez l'accorder, pourquoi pas, avec un thé à la pêche ou à la bruto, sur une base de thé blanc ou de thé noir. Ou bien, vous pouvez aller dans l'univers des houlongs, et notamment, je pense à un houlong qu'on trouve en Chine, le Dankong, qui est un, pour les très beaux Dankong, qui s'appellent les thés du phénix. Ce sont des thés qui ont des notes un peu fruits exotiques, naturellement, boisés, fruits secs, fruits exotiques, qui iront bien avec ce genre de bûche. Et si on finit sur une touche plutôt fruits rouges, alors pourquoi pas un thé aux fruits rouges ou un houlong aux fruits rouges pour varier les plaisirs. Vous pouvez aussi utiliser des thés aux fruits rouges qui sont sur des bases, des couleurs de thé différentes. Et on a notamment l'univers des houlongs qui est intéressant pour cet arôme-là. Ou bien vous pouvez prendre un thé type breakfast ou un Darjeeling. C'est les fruits rouges et notamment une bûche bavarois aux fruits rouges ira très bien avec un Darjeeling, avec des notes un peu amandes, un peu fruitées, compotées.